Volume arrivé, je suis à fond de mémoire. Ah bon? Ça fait quoi si on est à fond? Ah bon, pas du tout. Waouh, waouh. Non, non, non. On avait récupéré le neuroptique et fallait le construire, donc maintenant il faut le système. Ouais, ok, oui, mais ok, mais je suis là. Ouais, c'est ça. Et après, on va faire Octavia où il faut encore ramasser des morceaux. Et si on a encore le temps, à voir ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, j'ai réussi à me coincer en haut du bâtiment. Ben bravo. Écoute, c'est toi l'architecte, c'est que t'as bien fait les choses. Voilà, regardez où je suis. Allez, je suis sur le plafond. On voit pas. Ah, mais parce que t'es pas dans la salle d'échange. Non. Non. C'est vraiment, vraiment pas sans l'arnaque, hein, mais bon. Légèrement. Ah, par contre, t'as re la voix robotique. Ah merde. Faut mettre à jour ton firmware. Quand vous êtes déphasé, vous faites pas de dégâts aux ennemis qui sont pas déphasés, mais eux non plus ne vous font pas de dégâts. Ce qui est plutôt pratique d'ailleurs, cela dit en passant, pour courir jusqu'à une sortie. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Tu vas vite comprendre. Ce qui veut dire que les ennemis non déphasés ne te font rien et tu ne fais rien aux ennemis non déphasés. Par contre, ils te voient. Ça ouais, s'entend bien, je ne fais de toute façon pas de dégâts donc. Ah, ah merde. Je vais prendre A. Moi je fais jamais de mission Arkwing en fait donc. Ah bah moi j'aurais fait quelques-unes, mais c'est vrai que ça monte pas si vite que ça. Hein. T'as l'aide technique du parasite sinon qui peut marcher. Oui voilà, ouais. C'est ma technique préférée. Tu sais, rigole pas parce que moi la dernière fois j'ai perdu des missions parce que justement on était tombé sur deux blaireaux en rang 2. Et voilà. Ça y est, et du coup, on est reparti pour 12 heures de... C'est ça. Non, là, on va aller chercher le plan suivant et après, on aura 12 heures de construction. Ah, mais c'est bon, mais moi, je l'avais déjà fait, en fait. Je l'avais déjà fabriqué. Le gars, il a en sans doute. Le système ? Ben non, j'avais suffisamment d'éléments de preuve, donc j'ai fait. Non, t'as pas compris. En fait, à chaque le système, vas-y. En fait, on a commencé la quête. Ordis nous a dit, voilà, il faut qu'on trouve des fragments de preuves pour valider le théorème. On a fait notre première interception à Arkwing. On a ramassé plein d'éléments de preuves. On a construit. On en a construit, oui, mais on en a utilisé que 3. Ah oui, oui. Et là, on et moi, j'en avais encore d'autres. J'en avais 7 de base. Ah oui, donc du coup. Donc moi j'ai enchaîné sur la suite. Ok. On n'était pas obligé de se la faire cette mission. C'est pas grave, ça fait de la réserve. Alors d'abord, je fais le plein d'énergie. Parce... Bon, oui, si vous voyez un ennemi, vous le tuez pas. Hein. Voilà, merci. Ah bah. Pourquoi tu veux pas le tuer ? Ah mais attends, je vais te déphaser, viens dans mon monde. Tiens. Joue à oui, ça aide. Viens dans le petit portail. Et du coup, on a tous les items qui nous suivent. Attends. Je prends 10, ensuite j'appuie sur numéro 4. Et ça fait des trucs bizarres. Ouais, donc en fait je pouvais prendre Valkyr et toi tu faisais les défenses. Ouais, mais je la maîtrise pas très bien Nimo encore. C'est vrai qu'au niveau de la prise en main, c'est assez déroutant, on va dire, au début. Hein. Bah, c'est surtout pour les autres joueurs en fait. Ouais, il faut. En fait, voilà, Limbo, je suis d'accord. En fait, c'est intéressant à partir du moment où les gens qui jouent avec toi connaissent Limbo, ils savent gérer. Parce que c'est vrai que quand tu débarques, tu dis, moi la première fois que j'ai fait, tu fais Borderlands. Ouais, c'était Limbo. Ok, j'étais complètement perdu, je comprenais pas pourquoi je faisais pas de dégâts. Bienvenue dans mon quotidien. Quand j'ai un problème d'énergie, je me le fais tout seul. C'est pas trop un problème. C'est un peu lent, mais ça marche. Réussi à progresser dans les syndicats. Alors là, en fait, j'ai arrêté de progresser parce que il me manque le truc pour le morceau. Le prochain niveau. Ah, cool! Wow! Oui, c'est bien parce que c'est des gens que je vois plus d'habitude, du coup, j'ai plein de photos à faire. Ah, j'allais dire hier. Qu'est-ce qu'on rigole? Qu'est-ce qu'on rigole? Ah, je suis reparti en arrière. On va pas dans le trou, toi. Un qui l'a fait une fois. C'était pas drôle. Operator, do you understand?
This limbo is telling us his story in pure math, and I must say, peut-on construire as soon as possible. I must know what comes next. Uranus, celui qui est encore à corps et qui bouge tout le temps et qui remplit la pièce. Oui, avec de Uranus. Uranus, ouais. Uranus, ouais. Bah, à force, je le connais par cœur, celui-là, et Bah écoute, tellement être l'ami profond, ça devrait faire le lien quand même, non? Ouais. Bah, de toute façon, il change de place à chaque fois, mais... Je veux dire, les types C'est l'aléatoire, les panélistes... Non, mauvaise idée. Ah bah oui. Ah. Ah non. Non, mauvaise idée. Bon, bah on a déjà eu des sueurs froides pour le premier, j'espère que les suivants seront plus simples. En fait, le seul pouvoir que j'ai vu qui permet vraiment de passer au travers, c'est le pouvoir d'invisibilité d'Ivara. Si vous avez le mode qui permet de passer au travers les pieds. Ouais. De syndicat qui est pété. Voilà, faut le mode de syndicat avec. Sachant que même comme ça, il y a un piège qu'il n'arrive pas à passer sans déclencher. Quelqu'un a appelé l'ascenseur ? T'as un pourcentage de chance de l'avoir. Oui, en plus. Il sachant pas quelqu'un. Que c'est par tiers. Ah, il était juste invisible. Il joue à cache-cache, le Seb. Non, j'étais pas invisible, j'étais au-dessus. Ah, celui-là est facile. Je vais repérer, moi. Faut juste trouver le bon conduit d'aération. Il faut pas. Ah non, juste. Okay. Ah non, c'est pas les. Non. Non, ouais. Celle-là, c'est t'avances doucement, tu te fais pas repérer par les caméras, alors, tu te fais pas choper par les lasers. Oh. Ah, je on va pas te faire comme ça quand même. Security override incoming. Dégage l'ennemi, c'est pas à faire. Pourquoi je peux pas passer? Oh. Pas vrai. Je vous préviens. Je fais le prochain. La troisième, mais on fera pas le même coup, hein. Ah non, c'est la même difficulté, donc t'as pas le temps, hein. Elle est tombée. Tant pis. Eh ouais, bah tant pis. Nettoie Yayatan. Vire la bouche des rations. Non, c'est pas en fait, c'est pas. J'essaie d'avoir fait une super cyclée. Non. Non, c'est moi. Cette fois, c'est moi. Dégage. Oui. Au pire, tu sais que je cours vite. Je t'ai dit de me laisser faire, hein. Non mais je l'avais. Non, je t'ai dit de me laisser faire, vrai. Tu m'as pas écouté. Oh, j'ai réussi à avoir un mode qui permet d'avoir des munitions. Voilà. Non mais sérieux. Moi c'est le stabilisateur que j'avais pas. Mais sérieusement, tous les coffres ici sont faisables sans déclencher l'arme, faut juste prendre son temps. Aïe aïe aïe. Non, l'émission survie si tu trouves un bon. Que tu te coordonnes bien, qu'aller voir Frank qu'il faut. Vraiment, ça. Ah, ça l'a pris. Surtout quand tu sais quel type d'ennemi t'as en face. Oui, où le chat? Il est là. Avec moi. Je vois pas, moi. Attends, c'est la bouche 2 pour l'endormir. Ah mais putain. Ah non, ces salauds, ils font plus nerveux. Vilain. Hein. Oui, c'est ce que j'avais dit. Ah oui. Ouais, non mais j'ai oublié. Où le chat? J'ai buté le mien. Ouais. Là. Moi, je sais pas si j'ai attaqué son bouclier. Ah, par contre, lui, il balance de la glace. C'est mes dodos. Voilà, lui il est mort. On a eu les 4, on a eu les 4. Ouf. Ah non, ça va. Dur. Devenir compliqué. Redésactive la consiste. Bah oui. Oui. Messages have arrived in your inbox. Stalker, oui. Moi aussi. Il m'aime pas. Pas moi. Non mais toi c'est parce que tu fais pas de dégâts, t'es pas une menace. Bah clairement. Allez, branche-toi ça Seb. Bah attends, regarde les dégâts que j'ai fait lors de la mission. J'ai fait combien? J'ai fait 2%. Lui c'est Baro qui tire. Voilà. Marchand du néant. Ok. Non. Et ici si t'as le kiosque pour vendre... Attends, parce que ici je t'ai perdu de vue donc... Juste à droite. Ah, le mec qui fait des... Droite, ouais, ok.
Ça, c'est le kiosque pour vendre tes... Non, je te vois pas bouger. Tous les chemins Prime se valent pas? Non, en fait, ça dépend de leur rareté. C'est du 15, ah ouais, 45, okay. Généralement... 45, en fait, 100. C'est quand tu sais quand tu ouvres une relique, t'as des loots qui sont plus, qui ont plus. Ah de oui, oui, exact. De ouais. Et ben ceux qui sont les plus rares à tomber valent plus cher à la revente. La seule exception, c'est les formats. Il faut pas se ruer pour vendre les plans en double et composants en double, parce que certains composants doivent être en double pour la construction de certaines armes. Oui, après, fais gaffe. Moi, j'ai vendu que les schémas Warframe. Mais attends, ils sont de quel niveau les ennemis là? On est 30-35, je crois. Pourquoi je les explose comme ça? Ah, y'a un ambulas. Ouh, que je les aime pas, là. Je m'en charge de l'ambulas. Ambulas? C'est un espèce de mini mecha de poche. Ah, que tu veux pirater? Ouais, que tu peux pirater, mais lui il est plutôt bourrin. Ouh, la saleté! J'ai pas compris ce qui s'était passé. Encore là? Ouais, je suis tout seul. Ouais, 1 900 000, mais 1 900 000, c'est pas si compliqué à voir que ça. Non mais rigole pas. Maintenant que même moi je m'étonne de cette phrase. Mais en fait si, c'est pas si... C'est vrai que les missions index, une fois que tu les as déverrouillées, faut juste avoir toujours 40 000 balles en poche. Et tant que tu ne perds pas la mission, tu ne perds pas ton argent. Faut pas échouer. Après, tu peux ne pas avoir de retour sur investissement si tu n'atteins pas le quota de points. Mais tant que tu ne perds pas la mission, tu ne perds pas ton argent. Mais une Warframe normale manque tellement de points de capacité par rapport à une Warframe Prime que... Ça dépend desquels. Non, ça c'est pas parce qu'il est Prime, ça c'est juste parce qu'il a pas la patate. Ouais. C'est juste que ton H Prime, c'est H Prime et Trinity Prime que t'as eu avec Twitch, ils ont un réacteur Orokin installé, donc du coup ça double les modes. C'est comme quand moi j'ai acheté Frost Prime. Allez. Et... Bon attends, quelqu'un peut essayer? Ah, je l'ai pas mise dans le bon sens, c'est pour ça. La première fois que j'ai vu ce message, je me suis dit de quoi il parle, quel hack. Et après j'ai vu qu'il y avait des gros monstres qui se battaient pour nous, je me suis dit ah ça doit être ça. Ça doit être ça. Ouais, t'as les gros avec des espèces de plaques chauffantes devant eux. C'est ça. J'aurais pas fait une meilleure description. On est d'accord. Mais quand il y a des nuages de poison et qu'il y a des infectés. Non mais c'est le... Je sais pas si c'est Ali ou ennemi. Non mais le nuage a pas la même tronche, il est instantané pour le proc de gaz. Ouais, il a le même vert quand même. Ah. Eh ben non. Ça c'est parce que Seb, tu ne changes pas l'apparence de ton arme. Si tu changes l'énergie, le nuage il va avoir la couleur de l'énergie de l'arme. Une ambulance? Oh non. Si, là tu es celui-là. J'ai pas, j'ai fait apparaître un caillou par terre. Apparemment les ennemis devraient être attirés par ça. Ah oui, aussi. J'adore le petit truc à roulette qui arrive à sauter de conteneur en conteneur. Ah là, c'est caillou qui brille là. Ouais. Alors est-ce que ça vous tenterait du coup d'essayer l'index pour voir un peu. Mais moi j'ai toujours pas 40 000 moi. Comment ça t'as pas 40 000? Mais non, mais qu'est-ce que tu fais de ton argent?